Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux. Oh que si. Vous ne comprenez pas, j'ai une femme et des enfants. Je refuse de les laisser parce que j'ai pourchassé Kira. Cela fait plus de 10 ans que vous êtes parmi nous, vous ne pouvez pas partir. Ma décision est prise, vous ne m'arrêterez pas. Il voulait quoi celui-là? Démissionner. Encore? Ouais, je sais. Nous avons tous peur de Kira, et certains plus que d'autres. Ah mais qui sait qu'elle est censée être ouverte, c'est bien Corder. Ouais, c'est vrai qu'on travaille à visage découvert, contrairement à ceux elle. Calmez-vous. Très bien, on va se battre. J'avais pensé qu'on aurait pu faire un poker... Du coup, mets sur pause 2 minutes. Quoi? Mais c'est le meilleur passage. C'est un DVD, alors tu mets sur pause. Tu te plains toujours que je te parle pas assez, et là c'est toi qui veux pas. Ok. J'étais en train de me poser une question. Quoi donc? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'encre? Eh bien, tu ne peux plus écrire, cela me semble évident. Ah. Mais ne t'en fais pas. Pour épuiser l'encre du Dispen, il faudrait que tu écrives 30 ans avec non-stop. C'est vrai? Tu vois, ce n'est pas vraiment le stylo qui est magique, mais l'encre à l'intérieur. En plus de pouvoir tuer, elle s'épuise moins rapidement. Et admettons que je transfère un peu de cette encre dans un stylo vide. Je pourrais l'utiliser comme un Dispen. Exactement. Bah merci, du coup, cette information m'est très précieuse. À ton service. Comment ça, femme? Le dîner n'est pas prêt? Tu ne fais rien de tes journées. Ah, mon père est rentré et avec lui les infos du jour sur l'enquête. Je vais pouvoir connaître le résultat de mes expériences. Connexion... Voilà. Ah super, ils ont les résultats. Alors? Cela confirme mes doutes. Le pouvoir du Dispen ne peut faire l'impossible. C'est-à-dire? Bah, par exemple, si je demande à un prisonnier japonais d'aller suicider devant la tour Eiffel, c'est impossible. Car comme il ne peut pas sortir de la prison, il meurt d'une simple crise cardiaque. Intéressant. Je n'avais encore jamais tenté ce genre d'expérience. Bon, au boulot. Tu appelles qui? Une nana... Je vais l'inviter à sortir demain après-midi. Tu es populaire auprès des filles? Ah bah bien sûr, cela ne se voit pas. Allô? Anako? Ouais, c'est qui? C'est Laito, je te réveille. Oh, il est 2h du mat. En effet, le temps passe vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dirait de sortir avec moi cet après-midi? Et comment, mon neveu? Enfin, je veux dire... oui, bien sûr, Laito, à plus. Bon, c'est pas tout ça. Mais si je ne veux pas attirer l'attention sur moi, il faut que je garde mon excellent niveau d'études. Tu ne vas pas te coucher? J'ai des maths à faire. D'ailleurs, je me demande où j'ai mis ma calculatrice. Je peux te prêter la mienne. Tiens. Merci. Quoi? Elle a un pouvoir particulier? Tu me crois si tu veux, mais elle calcule des opérations très complexes en moins d'une seconde. Fous-toi de ma gueule, t'as raison. Faut que t'arrêtes de croire que tous les objets des comptables ont un pouvoir. Mouais. Au fait, tu me l'as jamais dit, d'où provient le pouvoir du stylo? La fabrication est secrète, mais ce pouvoir provient de l'Égypte ancienne, du temps des pharaons. Notre confrérie a été fondée par les plus grands scribes d'Égypte, et avec elle, le pouvoir du Dispen. Je peux pas t'en dire plus. D'accord. Où vous allez? Dans un parc d'attractions pas loin de la ville. Je ne vois pas encore un rendez-vous pour donner le nom du mec qui te suit. Tu n'as pas lu ce que j'ai écrit hier avec le Dispen? Non, je tâtais la console. Dans ce cas, je ne te dirai rien, je vais te laisser la surprise. Ah, Raito, te voilà enfin! Le bus ne va pas tarder à arriver. Ah, je vois! Ce Raito est un étudiant modèle. Il travaille juste ce qu'il faut la semaine. Et en week-end, il sort. Rien à voir avec un meurtrier. Je le suis quand même aujourd'hui, mais ça suffira après. Je t'en prie, monte. Oh, tu es galant. Si ça te fait plaisir. Parfait, il monte également. Et où c'est que tu vas, Biloute? T'as pas le billet? Oh mais... Chut! Je suis un agent du FBI en mission. Regardez. Toujours le roi de la discrétion. Où est-ce que j'ai mis? Il s'assoit derrière nous. Tu sais, Raito, je te trouve très mignon et... C'est ça, raconte tes conneries, tu m'intéresses. J'avais imaginé que peut-être tu t'intéressais aussi à moi... Bon, quelle heure il est? 13h14? Parfait, ça ne devrait plus tarder. Peut-être... Tu m'écoutes? Oui, oui, bien sûr, d'une oreille attentive. Ta gueule, grognasse. Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je détourne ce bus et vous êtes des otages. Le premier qui bouge, le flingue. Parfait, pile à l'heure. Oh mon Dieu! Je vais me jeter sur lui et prendre son arme. Non, Raito! Je vais me jeter sur lui et prendre son arme. Fais pas ça! Me jeter sur lui et prendre son arme! Oh, oui, c'est bon, j'ai compris. Je viens d'entendre ce que tu viens de dire. Alléluia, c'est pas trop tôt. Il faut pas faire ça! Tu sais, mon petit, je suis du FBI et crois-moi... Qui me dit que c'est vrai? Peut-être êtes-vous un complice. Regarde ma plaque, tu vois? Remember. Ça a l'air d'être une vraie. Merci. Enfin, vous savez, c'est mon cousin qui... Mais qu'est-ce que je raconte? Non, mais c'est une vraie, bien sûr. Silence, au fond! Bordel, on peut plus bosser tranquille nulle part de nos jours. Oh les mains! Police! Arrêtez le bus et ouvrez les portes! Oh! La gare. Je n'ai pas tout compris. C'est très simple, Lyuko. Ce criminel est passé hier à la télé. Avec le Dispen, j'ai écrit qu'à 13h, il montait dans le bus, puis à 13h15, il le détournait. À l'annonce d'un policier dans le bus, pris de panique, il tente de s'enfuir et rencontre sa mort. Je vois.
Et maintenant, c'est ton tour, Ray Pember. Allô ? Oui, bonjour, j'aimerais commander une tourte aux champignons hallucinogènes, s'il vous plaît. Vous vous êtes trompé de numéro. Je suis pas à la pâtisserie Gilbert le hamster ? Non, vous êtes chez Marcus le pingouin, lors du vent. Ah d'accord, excusez-moi. Bon bah, votez flou alors. On le dira. Au revoir. Bon sang, le scénariste est vraiment prêt à inventer n'importe quoi pour que je sois présent dans l'épisode.